Bonsoir YouTube, c'est la marmotte incroyable. Slay the Spire, clap final, ça y est, on y est, c'est incroyable, c'est fabuleux, c'est magnifique. C'est l'ascension 20 avec la gardienne. Vous avez tout sur YouTube, les runes avec le soldat de fer, avec la silencieuse, avec le défectueux. Et ça y est, la gardienne, quatrième et dernier personnage, c'est fait. Vous allez voir, cette run est magnifique, on ne pouvait pas espérer mieux terminer le jeu que sur cette run, une run parfaite. J'ai que ça à dire, vous allez voir qui est incroyable de A à Z. En plus elle est courte, moins de 30 minutes. Je vous dis à tous, bon visionnage. La tristitude, la tritrilatitude, la tristitude te donne la tididididididim. On verra pas ce que ça donne. Persévérance, c'est cool tout le temps. Retirer une carte du deck, c'est cool tout le temps. Acheter un point vital, c'est cool tout le temps. On retire une carte du deck. Pourquoi retirer une carte du deck? Maintenant, c'est là où on a un premier choix. Si on va à gauche, un feu... On peut aller quand même dans tous les cas faire ça, ça. Ça paraît pas déco dans double élite, machin, on va faire ça. Donc ça c'est l'élite gratuit, ça tombe bien que ce soit lit. C'est... J'ai même pas assez de DPS au premier tour pour le tuer, quel enfer. Aïe aïe aïe. On l'a eu, fiole de sang, clé émeraude, deuxième point vital, ça c'est intéressant, on va là. En vigilance, pas mauvais. Et on a mort, comme ça on prend pas de points. Voilà, une bonne chose. Troisième point vital, ça fait plaisir. On peut se permettre de faire Jean-Hugues Elite. Donc faire un point vital, ensuite on va défausser autant de cartes qu'on peut. L'idée, vous l'aurez compris, d'avoir un maximum de points vital le plus tôt possible. L'Ice Vénère. En double défense pour prendre 7. Heureusement qu'il reste 2 points vital, voilà j'allais dire, et par un karma ultra négatif, ça passe. Le kunai, hein, très utile pour mon jeu. Non. On va scruter troisième œil. La force très utile aussi pour mon jeu. On va pouvoir commencer à booster les points vitaux. On va pouvoir derrière passer sur un autre sans hésitation. Parce que plus on en a, plus mieux c'est. C'est un peu comme l'amour. Ça ne veut rien dire, c'est pas grave. On rebooste notre point vital. C'est l'instant de pique. Et on fait bim, bam. Et boum. On s'arrête là. On peut faire l'élite. Ok. Très bien. On défense, on persévère derrière. Persévérance à 7. Donc on peut derrière point vital là. Ça le tue. On peut point vital là. On peut persévérer pour prendre moins cher. Très bien. On troisième œil. On défense. On prend pas de points. On devrait trouver une. Un point vital. On lui met 11. On va faire ça. On prend 10 quand même.
que c'est bon. Pierre aiguisé, double frappe. C'est marrant, j'ai tous les trucs nuls. Enfin nul, j'exagère, mais j'ai tous les trucs qui vont pas avec mon jeu. J'ai tous les trucs qui boostent les trucs que je ne veux pas. Continue à booster les points vitaux. Vu que lui, il tape en fonction de nos points de vie. Allez. Voilà, on prend pas trop cher comme ça. Garde les spells défensifs, c'est ce qu'on veut. Ok. On l'a eu. Nice. Un saut. Incroyable de rejoindre un tour. Ah. Je peux pas être de gecko alors que j'ai un jeu où tout joue à 1. Parce que l'œil de gecko va pas du tout avec le but du jeu. Absolument pas. J'aurais vraiment voulu n'importe quoi qui donne un mana de plus. La cloche limite, merci Alex, AGST. Merci beaucoup pour l'abonnement et bienvenue dans la taverne. Peut-être prendre les trois reliques. On va prendre la cloche. On a pointe. Oh mais les pires quoi. Purée, rien avec les points de vie. Oh, le jeu qui me touille. Le jeu qui me touille. Allez. Non, le coup de papier servira à rien avec mon jeu. Non, le coup de papier sera vraiment pas ouf. Point vito, oui. Coup de papier est vraiment pas insane avec mon pack. Non. Non. Ça m'intéresse pas. Je préfère garder mon bonus de 100. Retirer une carte de votre jeu. Oui. Clairement, booster les frappes et compagnie ne sert à rien. On veut juste virer un maximum de cartes tout le temps, quoi. Marchand. C'est une malédiction, c'est pas un statut. La fleur, je sais pas. C'est vrai que la fleur, le 3 tours, c'est un mana de plus. J'hésite à virer une autre carte, mais peut-être que Fleur, vous avez raison. Tous les 3 tours à mana, ça me paraît mieux, vous avez raison. Non, non, je valide la Fleur. Après une intense réflexion, la Fleur est validée. Ok. C'est good. Nice. Une bonne chose de faite. Un Damaru. Un mantra. Et c'est tout. Ça, j'aime la saucisse. J'aime la saucisse. Le pâté aussi. On continue à booster les points vitaux. Une lanterne. Ça, c'est bien. Mana de plus en début de fight. Quand même comme des brutes. Ok, parfait. Un petit saut.
Et un coup de point vite en plus. Ça sera rien, on va pouvoir faire tourner le jeu et un point vital. On va se repos. On va pas prendre l'élite, c'est inutile. On peut pas nous donner un truc qui donne des manas supplémentaires, donc on va pas faire le ouf. Point vito, troisième œil. Et un petit saut. De points de dégâts. Tu amasses point vito quand même, oui oui. Parce que je suis un grand fan de Kenshiro, c'est pour ça. On prend 11. Passe tranquille. Ah, c'est une potion explosive. On s'en fout, on prend une potion explosive, forcément mieux. Ok, on a les papas. Petit coup de saut. Allez. La technique du couteau de cuisine de la salle à manger, c'est exactement ça, Patrick Étoile. C'est exactement cette référence. Allez. Une vulnérabilité, on s'en bat les steaks. Par contre, on va soigner. On va prendre un risque con, point boss. Et c'est good. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ouais, ouais, et un coin 21. Ça fait un coin 21 derrière, intéressant. Allez, ça serait bien si on piochait un point vital. Sur les 5, j'ai 10 cartes, il y a 5 points vital. J'aurais été très déçu de pas en piocher au moins. C'est bon. Deuxième saut. Mais c'est incroyable! Mais y'a rien qui va me donner des manas quoi! J'aurais au moins une cage! Je vais pas transformer mes cartes. Peut-être que je transforme mes cartes. Prends l'astrolabe hein. Oh, un troisième saut! Oh ça c'est un peu du sexe sale. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Mais le saut c'est du sexe sale. Ok, on tombe sur Escargoman. Par contre on est anti-feu ici. 1, 2, 3 feux là. Ok, on va commencer là. Commencer là déjà, on va voir. Il manque encore 3 sauts pour pouvoir faire une 6 sauteuse. Non, pour avoir le saut 6. Ah. J'étais pas dessus. Trop de naïveté en moi, je suis désolé. Voilà, au moins c'est réglé. On passe. On passe. Il n'y a pas d'autre derrière. Donc on va le pique là. Tic.
50%. Du coup, ça vaudra plus que 50. Let's go. On va virer derrière ce par là, ma main nulle. Non, je prends pas étude. Parce qu'en fait, étude, ça fait quoi? Étude, ça fait jouer plus de cartes. Donc sur l'escargot qui est à la fin, ça sert à rien. Et étude, vu qu'il y a double boss, si en plus je tape derrière l'éveillé, ça me fait jouer un pouvoir, donc ça le fait booster sa force. Voilà, en fait, j'aurais pris s'il n'y avait pas double boss. S'il n'y avait pas double boss, je l'aurais pris. Mais il y a double boss. Je ne le prends pas. Un petit jump. Que le pouvoir de Van Halen soit avec nous. Un deuxième petit saut. Ok. Je suis pas ultra inquiet. Très bien. Non, de toute façon, il n'y a plus grand chose qu'on irait pique. Je pars debout sur la table. Ça veut rien dire, c'est pas grave. 3 gigas relou. Quoi? Tape un peu fort là pour commencer, dites donc. Je peux pas faire mon difficile, mais c'est déjà d'en tuer un bal. Faire un saut. Ok. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, il faut raison garder. Alors attendez, un feu, deux feux, trois feux, on en était là. Retire une carte du deck, très content. On va retirer et changer le destin. Coucou Toulou 4. Quand même beaucoup de sauts sur les dernières cartes, je trouve. Ah, quand même des vrais bails. Ok, il est passé. Œuf gelé, bon. Mémoire liquide, fait jouer deux cartes. Et un point vital. On va aller par là. Ok. C'est pas dramatique. On se détend. On va se détendre. On est bien. Je sens qu'on est bien. Je sens au fond de moi qu'on est bien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est bien? On se détend. Ok, on se met une vigilance, fait jouer un truc, ça lui met 5. Ok, c'est pas dégueu. Faire un saut. Pas le choix. Purge mou. Ok, point vito. Point vito. Point vito. Donc elle devrait le faire.
Mais oui, ça va le faire, là, tandis que debout sur la table, on le déboîte, le vieux éphémère. Allez, ça dégage. Même pas peur. Alors. Allez. C'est marrant, je vais pas tuer pendant 300 heures et là je tue deux fois en sur la même journée. Le feu quoi. Le destin. Puis le coup si c'est legit, je vois vraiment pas de quoi vous parler en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelques jaloux dans ce chat. Je suis assez déçu de vous. Bon, on l'a eu. Allez. Il faut forger le saut. Parce que c'est un problème de... Clairement un problème de saut. Ok. Point vitaux. Repoint vitaux. Et repoint vitaux. Ouais, plus besoin d'améliorer quoi que ce soit. Forme d'Eva. Pas trop de problèmes de mana en fait, donc il n'y a pas besoin de pique ça. Petit forgeron. Petite frère, point vitaux, encore à boosted. Ok. Et Tentaculeman. Ouais. Ok. Tranquille. Fluidité cette armure. Si je suis calme. Let's go. On soigne. Et c'est parti. Premier boss. 2-2. Ok. Point vito, point vito. Ok. Alors, si je faisais une carte de la défausse. Est-ce que je peux le tuer à ce tour? Je pense pas. Est-ce que je peux en mettre encore 3? Donc je peux mettre 55 plus 66. C'est pas bon. Ok, c'est mieux comme ça. Tiens, je vois comment ça se passe avec ça, si je rejoue tout de suite ou pas. Ouais, que c'est bien moi qui rejoue. Nice. Donc là, il va se booster, au prochain tour il fera rien, il faut juste qu'on chope des points vitaux, ça devrait le faire. Allez, là du coup maintenant, plus que 1. Et je sais pas sur ce qu'on a envie de tomber. Ok, il commence avec 3 debuffs, c'est assez relou par contre. Ils sont un peu plus lents, en même temps c'était donut, mais ils sont un peu plus relous. Le prochain tour, ok. Je vais essayer d'en tuer un en vrai. Je pense que c'est le meilleur bail d'en tuer un après l'autre. Je
On a la fluidité qui proc, ça c'est cool. Du coup on est à 20, c'est pas mal ça. Ok, donc là on peut le tuer, donc on va commencer à pouvoir setup là. Voilà. On gagne 15, on passe, troisième œil. Ok, on le laisse ça au-dessus. Faudra commencer à lui virer ses debuffs. On fin de tour, on prend que 1. Prochain tour il se passe rien. Point vito, point vito, point vito. Normalement ça devrait passer. Ce tour-ci doit pas me tuer en plus, ça étape 40. Point vito, point vito, point vito. Ok, on passe tranquille. Oh oui! Oh mais quel plaisir! Quel plaisir! Allez! Oh, Slay the Spire est officiellement terminé! Yes, ça y est, c'est terminé! 25 minutes 27, hein, cette ascension 20, aucun problème, on a roulé sur le jus. Slay the Spire est officiellement terminé. Les 4 ascensions, c'est fait. En 20. Tous les hauts faits, c'est fait. Également. Quel plaisir! Quel plaisir! Quel plaisir! Comme ça, hop! Comme ça, on est officiellement à 267 heures 51 minutes et 0 secondes. Quel plaisir! Trop bien! Trop bien! Le jeu était 12, officiellement. Et ben voilà! 19 cartes, 7 points vitaux, protection, défense, troisième œil, des sauts pour tanker. Enfin bref, c'est la vie. La vie, lève des sauts pour passer des tours, c'était n'importe quoi. Des points vitaux et des sauts. What else? Eh ben en tout cas, j'espère que ces vidéos, ces spires vous ont plu. On reviendra sur le jeu, certainement. C'est des nouveautés pour faire les cœurs en ascension 20, pour faire des modes, des parties personnalisées. Bref, pour faire des trucs un peu fun. En attendant, merci à tous de m'avoir suivi sur ce jeu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Vous avez d'autres vidéos par là, au cas où vous en avez raté certaines. Sinon, comme je vous ai dit avant, tout dans les playlists. Hein, une playlist par jeu. Tout est dedans. Merci encore pour tout. Et au revoir.